lukaka yo na losambo Yesu na ngai na lukaka yo na losambo Yesu na ngai ngai na benga yo nani na benga yo nani Avant de laisser la parole à papa, nous allons passer aux présentations de deux personnes, d'un bébé, after, oui, l'organisatrice a dit after, on va faire ça after, après, alléluia, gloire à Jésus, j'aime ça. Nous voulons écouter la parole de Dieu, mais avant d'écouter la parole de Dieu, j'aimerais que tu puisses te lever, dire à Dieu, parle-moi. Parce que quand il veut parler, quand Dieu veut guérir, il envoie sa parole. Il est le Dieu qui nous guérit. Alors qu'il est écrit dans leur détresse, qu'ils crièrent à l'Éternel, il envoya sa parole. Et sa parole les guérit. Commence à dire à ton papa, Père, parle-moi. Parle à mon cœur, parle à mon âme. Parle-moi, Seigneur, je ne suis pas venu écouter un art, rencontrer un art, mais je suis venu rencontrer le Dieu des cieux. Nous sommes venus rendre grâce à celui qui nous a sauvés, qui nous a mis au large. Dis-lui, papa, parle-moi, une parole venant de toi et ma vie ne sera plus. Pareil. Limba, alléluia. S'approche, nous acclamons le Seigneur. Parce que la manière dont tu acclames, ça sera la dimension.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que nous pouvons traverser comme problème, ça ne peut pas le changer. Alléluia. Il reste Seigneur et il reste assis sur son trône. Amen. Rien ne peut le détrôner. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce merci, que Dieu vous bénisse. Comme je n'ai qu'une heure, donc je dois respecter l'heure qui m'a été donnée. Donc, voilà. Je remercie le Seigneur pour avoir permis que je sois là aujourd'hui. Je pense que c'est la deuxième fois. Amen. Amen. Et vous savez, ces derniers temps, quand on se déplace du point A vers le point B et on y arrive sans problème, il faudra remercier Dieu. Amen. C'est par sa main puissante, c'est par sa protection que je suis bien arrivé. Alléluia. Amen. Je le remercie parce qu'il a permis encore que je puisse revoir certains d'entre vous. Et certains, nous nous sommes rencontrés il y a quelques années passées. Et aujourd'hui, c'est la seconde fois. Je sais que Dieu va encore nous bénir ce soir. Je remercie le prophète Fiston Makino, qui est un fils spirituel. Amen. Amen, amen. Qui a pu m'honorer ce soir. Vous savez, le livre de Proverbes chapitre 20, verset 20, il dit, vous pouvez lire ça en français, s'il vous plaît. Père, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Ah. Amen. Amen. À une lampe à l'intérieur. Amen. Et cette lampe, c'est l'esprit de l'homme. Parce que si vous, je crois, vous lisez le verset 27, voilà, ça va éclaircir cela. Amen. Amen. Il dit que l'esprit de l'homme va s'éteindre dans les ténèbres. C'est-à-dire que cette personne va perdre, hein, va perdre ce que nous appelons la présence de Dieu en elle. Cette lumière-là s'éteint complètement, c'est fini. La personne est perdue. Non seulement qu'elle s'éteint, la lumière s'éteint, mais elle s'éteint dans les ténèbres. La version anglaise dit... dans les ténèbres profondes. Donc, cela veut dire aussi que celui qui honore son père et sa mère verra la bénédiction. Amen. Il verra la bénédiction. Alors, que le Seigneur te bénisse et ta femme aussi, ta charmante épouse. Il a bien dit, hein? Il est arrivé à ce niveau et il continue à aller et à monter parce qu'il a une très bonne femme. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Alors toi qui es ici, sois une femme pour ton mari. Amen. Alléluia. Amen. Comme cela n'est pas notre message ce soir, je ne veux pas entrer en détail là-dedans. Amen. Alors, je suis le bishop Moria, Moria Nyemboué. Je suis le responsable de l'église Foi et Victoire. Foi et Victoire, nous sommes basés à Londres. Et je suis marié à Raïssa Nyemboué, et qui vous a envoyé aussi ses salutations. Amen. Et je suis père de 12 enfants. Amen. Quand je dis ça, certaines personnes me disent, mais est-ce que tu dis la vérité? Bon, c'est mon fils que je dis pas. Là, c'est sans commentaire. Hein. J'ai 12 enfants. Amen. Je suis un homme béni.
Alléluia. Parce que j'ai beaucoup d'enfants, je suis nombreux. Amen. 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 Alors, le Seigneur est en train de nous faire du bien. Et le prophète l'a dit, je suis évêque, bishop, parce que il a plu au Seigneur de me placer à la tête de toutes les églises congolaises au Royaume-Uni. C'est-à-dire qu'on parle du Royaume-Uni, on parle de l'Angleterre, du pays de Galles, on parle de l'Écosse et de l'Irlande du Nord. Donc c'est tous ces quatre pays. Amen. Amen. Et là, je continue à répertorier. Là, je suis arrivé à la 486e église. Mais ce n'est pas encore fini. Amen. Amen. Donc, c'est comme ça que nous évoluons par la grâce de Dieu. Alors, cet après-midi, le Seigneur, hier j'étais en train de prier, j'ai demandé au Seigneur, parle à ton peuple, parce que je m'étais préparé depuis Londres. Alléluia. Et le Seigneur, hier soir, il me dit, change ton message. Alléluia. Change ton message. Pourquoi? Parce qu'il me dit, il faudra que mon fils prenne possession. Alléluia. Il faudra que mon fils prenne possession. Possession, quelque chose qui va impacter la vie de son fils. Le Père est porteur de la semence de vie. Amen. Amen. Le Père est porteur de la semence de vie. Très important. Même humainement parlant, avant que la mère porte l'enfant, c'est le Père qui porte cette semence de vie. Il la transmet à la maman et la maman développe ça et puis un jour, il amène ça à l'existence dans le monde. Le Seigneur a dit à Abraham, Abraham a dit, je suis en train de mourir, je n'ai pas d'enfant. Il a dit non, l'enfant que je te donnerai est dans ton sein. Amen. Il n'a pas dit dans le sein de ta femme Sarah. Il a dit, il est dans ton sein. Donc le Père est porteur de la semence de vie. Donc je suis venu ce soir pour transmettre la semence de vie. Amen. Alléluia. Amen. Donc, pour entrer maintenant dans mon message, avant d'entrer maintenant dans mon message, j'ai dit, j'ai un autre fils, l'évangéliste François, vous le connaissez. Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur pour nous. Gloire à Dieu. Ok. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 3, verset 27. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et aller piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors, il pillera sa maison. Alléluia. Amen. Le Seigneur ne finit jamais à me choquer parce que dernièrement, il m'a dit, les gens prient, les gens font des jeûnes, mais ils ne sont pas spirituels. Je dis, mais comment ça? Il dit, les gens prient, ils font des jeûnes, ils ont la crainte de Dieu, mais ils ne sont pas spirituels. Je dis, comment ça, Seigneur? Il me dit, parce que pour être spirituel, il faut connaître les lois spirituelles et les principes spirituels qui sont des lois spirituelles. Amen. Et c'est ce qui fait que la plupart des personnes, des chrétiens, sont des victimes. Ils disent, mais je prie, je fais des jeûnes, mais pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Parce qu'ils ne sont pas spirituels. Ils ne connaissent pas des lois spirituelles, des principes spirituels. Le Seigneur me dit, vous voyez par exemple, lorsqu'il y a les gens qui vont chez des féticheurs. Le féticheur lui dit, la personne ne mange pas de poisson. Et pourquoi le féticheur lui dit ça? Parce que dans leur monde, ça c'est une loi spirituelle. Pour que ce qu'il est en train de chercher puisse se manifester.
Amen. Amen. Et vous verrez la personne ne pas manger du poisson. La personne refuse de manger du poisson. Vous voyez, ce qu'il est, il était en train de chercher chez le pêcheur, il arrive à obtenir cela. Donc, le monde spirituel a des principes. Ici, maintenant, nous voyons, Jésus nous dit que personne ne peut aller dans la maison d'un homme fort, y entrer et piller, sans pour autant ligoter cet homme fort. Maintenant, la question, c'est la plupart des personnes ne se posent jamais cette question. Mais pour comprendre quel est cet homme fort, il faut retourner dans la Genèse. Dieu, il a donné l'autorité, le pouvoir à Adam. Amen. Amen. Il lui a dit, voilà, je te donne tout ça, il faut régner. Il faut régner. Et Adam était un roi. Dans le jardin, il était un roi. Et Dieu lui a dit, ne touche pas cet arbre et ne mange pas de cet arbre. Si tu veux continuer à régner, ne touche pas, ne mange pas. Le diable est venu à travers Ève. Il a fait ce qu'il a fait. Et Adam et Ève, ils ont mangé de l'arbre dont l'Éternel avait interdit. Le jour où il a mangé, les deux ont mangé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un transfert. Ils ont remis le pouvoir que Dieu leur avait donné dans les mains du diable. Cette force, cette puissance que Dieu leur avait donnée, ils ont transmis ça à l'ennemi. L'ennemi a pris ça et il a corrompu cela. Il est devenu l'homme fort du monde. The church is quiet. Amen. Il est devenu l'homme fort du monde. Voilà pourquoi malheur. 1 Jean chapitre 5, verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu. Mais ce monde est sous la puissance du malin. C'est-à-dire, le malin, c'est lui l'homme fort. Alléluia. Amen. C'est lui l'homme fort. Parce qu'il a le contrôle du monde. Et maintenant, Jésus dit, avant d'entrer dans la maison de l'homme fort, il faut le lier d'abord. Alléluia. Amen. Il faut d'abord le lier. Il faut d'abord le malmener. Il faut d'abord le paralyser. Parce que sans ça, rien ne va marcher. Alléluia. Amen. Vous êtes entré dans le territoire de l'homme fort. Et cet homme fort, dans chaque territoire, il y a placé ses agents. Il y a des agents physiques, il y a des agents spirituels. Il y a un être spirituel assis sur le trône de cet endroit. Comment vous appelez cet endroit? Pessac. Voilà. Il y a un être spirituel qui contrôle cet endroit, ce territoire. Et ce sont ces êtres-là qui empêchent aux églises de grandir. Ce sont ces êtres-là qui causent du chaos dans l'église. 2003, nous avions arrêté nos sorcières à l'église. L'évangéliste François le sait. C'est lui et moi, nous avions prié pour cette sorcière. Dans sa confession, je me rappelle, elle disait, chaque samedi, ils allaient dans un cimetière quelconque à Londres. Ils vont réveiller les morts. Ils vont leur donner des peaux. Et ces morts-là vont uriner dans ces peaux. Et samedi soir, pendant la nuit, eux, ils iront dans des salles, des églises. Ils vont y verser les urines.
Il dit, voilà pourquoi les églises ne grandissent pas. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi les églises ne grandissent pas. Voilà pourquoi l'homme de Dieu, les hommes de Dieu peuvent tout faire. Mais vous verrez, il y aura toujours un frère ou une sœur qui sera le canal par lequel l'ennemi va entrer pour casser l'église. Lorsque tout va bien, du coup, c'est la famille du pasteur qui sera ciblée. Ils commencent toujours par attaquer la femme. S'ils ne trouvent pas de porte d'entrée, ils attaquent les enfants. Voilà pourquoi vous entendez toujours les gens. Certaines personnes viennent à l'église. Oh, vous voyez comment maman pasteur m'a regardé. Alléluia. Amen. Oh, vous voyez comment elle m'a salué aujourd'hui. Non. Quand vous voyez des choses pareilles, comprenez que la sorcellerie commence à opérer. Amen. Il faut catégoriquement, comme on dit, take action. Il y a 3 semaines passées, je viens de chasser un couple à l'église. J'ai dit, partez, je ne veux plus de vous. Ouais. Les gens sont étonnés, j'ai dit, pas de problème. Je suis un homme spirituel. Partez, je ne veux plus de vous. Allez dans une autre église. Je ne savais pas que ça faisait de moi. Le Seigneur m'avait parlé par rapport à lui. J'ai dit au leader de l'église, gardez vos yeux sur ce couple-là, même si je voyage. Parce que Dieu m'a dit, ils sont en train de faire quelque chose. Ils sont en train de comploter quelque chose. Le 8 juin, on a eu baptême. Et ce jour-là, ce couple-là s'est tenu devant ma femme. Des jeunes couples qui grondaient ma femme en présence des gens. J'ai dit, no way, ça ne peut pas se faire ainsi. Alléluia. Amen. Ça ne peut pas se faire ainsi. Partez. Partez. Deux fois, ce qui arrive est que, au nom de faire grandir l'église, nous focalisons plus sur le nombre que nous ignorons qu'il faudrait qu'il ait la qualité. Amen. Dans 24 ans de ministère, je fête mes 24 ans de ministère le 13 juillet ici. Alors, pendant ces 24 ans, j'ai beaucoup vu. J'ai beaucoup vu. Et ça a été une école. Le diable sait comment attaquer les hommes de Dieu. Et cette femme-là, je parle de la sorcière, là, et dans sa confession, elle dit, tu es parmi les hommes de Dieu que nous ciblons. Alléluia. Amen. Tu es parmi les hommes de Dieu que nous ciblons. Je ne dis pas de mensonge, l'évangéliste François est là, il connaît la sœur. Tu es parmi les hommes de Dieu que nous ciblons. Alors, c'est-à-dire que lorsque je sais que l'ennemi m'a placé dans la liste des personnes qu'il est en train de cibler, c'est-à-dire ma marche doit être bien contrôlée. Je suis en train de parler des œuvres de l'homme fort qui va devenir l'homme faible ce soir. Amen. Nous allons là. Ce que je dis, parce que le Seigneur m'a dit que tu dois prendre possession. Tu dois prendre possession. Les murs doivent tomber. Les limitations doivent tomber. Dans un magasin, il pille, il prend une télévision et il va la jeter. Qu'est-ce que les gens font? Ils amènent ça à la maison, n'est-ce pas?
Mais ce que vous pillez ne vous appartient pas. Pourquoi vous emmenez à la maison? Et pourquoi la Bible utilise le terme piller? Parce que tu crois que ça ne t'appartient pas, mais en fait ça t'appartient. L'homme fort a capturé ça. Lorsque maintenant tu entres dans sa maison, tu les ligotes, tu pilles tout ce qu'il a. Tu dois ramener ça chez toi parce que ça t'appartenait. C'est pourquoi Isaïe 45 qui dit, je te donnerai les richesses cachées dans les ténèbres. Donc il y a des richesses qui sont dans les ténèbres qui t'appartiennent. Mais l'ennemi les a placées dans les ténèbres. Alléluia. De ma vie, de cet endroit, de cette, endroit, de cette ville, de cette ville va tomber au nom de Jésus. Quiconque l'aime mangera les fruits. Amen. Amen. Il devait faire sept tours. Amen. Amen. Ils étaient en train de prendre possession chaque fois qu'ils allaient, ils faisaient le tour de la ville. Maintenant, dans cette dispensation-ci, on ne prend plus possession avec les pieds. On prend maintenant possession avec la parole. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Mais quelqu'un dirait, bon, si j'utilise ce principe des pieds, est-ce que ça va marcher? Ça peut toujours marcher parce qu'il te sera fait selon ta foi. Amen. Mais cette fois-ci, on prend possession avec la parole. Il dit maintenant, fruit, c'est-à-dire choisis ce que tu veux. Tu vas manger le fruit de ce que tu auras choisi. Ça fait des années à l'église, Foi et Victoire à Londres, je leur disais, je vais vous donner du travail. Je vais commencer à employer des gens ici. Ça fait des années que je leur disais ça. Mais aujourd'hui, en un clin d'œil, cette possibilité maintenant est arrivée. Maintenant, tout le monde me dit, mais pasteur, tu disais ça, ça faisait des années. Je dis, oui, j'étais en train de posséder quelque chose. Amen. Même si je commence par donner 3-4 personnes du travail, il n'y a pas de problème. Mais ce qui est vrai, que ça a commencé. Amen. Alléluia. Amen. On prend maintenant possession avec la parole. Qu'est-ce que tu veux? Prophète, qu'est-ce que tu veux? Dieu t'a amené maintenant ici. Qu'est-ce que tu veux? Utilise maintenant la parole pour prendre possession selon la vision que Dieu t'a donnée. Le champ est libre. Le champ est libre. Ça dépend maintenant de la parole que tu vas semer dans ce champ. Ça dépend de la parole que tu vas semer dans ce champ. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Je me souviens, ma mère me disait toujours, ça c'est le témoignage que tout le monde m'a donné dans la famille. On me disait, toi tu as souffert plus. Mon père était fatigué même, parce qu'à chaque moment, avant qu'on lui paye son salaire, vers le 25, le 26, moi la maladie va commencer. Alléluia. Et pendant des années, c'était comme ça. Il était même fatigué. Ma mère me dit, il y a des moments où j'ai succombé entre ses mains. Elle va regarder les cieux et dire, Seigneur, je suis même fatigué de prier. Mais tout ce que je veux dire, c'est que cet enfant ne mourra pas.
Elle me dira, elle va me prendre même pour, en m'emmenant à la morgue. Avant d'entrer, j'ouvre mes yeux. Cela ne s'est pas passé une fois, ni deux fois, ni trois fois, ni quatre fois, ni cinq fois. Selon le témoignage de ma propre mère. 10 minutes plus tard, je suis revenu. Le pouvoir de la parole. Amen. Alléluia. Amen. Le pouvoir de la parole. Le pouvoir de la parole. Versets 10 à 11. Oui. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur, et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Amen. Est-ce que vous avez compris ça? Comme la pluie et la neige descendent des cieux. La pluie et la neige, lorsque elles descendent avec une mission. Il dit maintenant, et n'y retourne pas, parce qu'ils viennent avec une mission. Sans avoir arrosé et fécondé la terre. Donc la pluie et la neige descendent pour arroser et féconder la terre et faire germer les plantes. Amen. Amen. Et faire germer les plantes. Sans avoir donné la semence au semeur. Leur mission, c'est aussi donner la semence au semeur. Alors, pour recevoir la semence que la neige et la pluie et donner du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole. Écoute, si la pluie et la neige connaissent leur mission et peuvent mieux accomplir leur mission, vous croyez que la parole peut échouer? Non. Alléluia. Amen. La parole ne peut pas échouer. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Là maintenant, il parle du rhéma. Pas du logos, qui est la parole écrite, mais du rhéma. La parole qui vient de lui directement. Tel que vous êtes en train de m'entendre. Ce n'est pas moi qui vous parle, c'est lui qui vous parle. Il dit, telle est la parole qui sort de ma bouche. Vous pouvez même prendre le logos et faire de ça le rhéma. Quand vous prenez la parole écrite, vous la mettez dans votre cœur. D'abord. D'abord dans le cœur. Et ensuite dans votre bouche, vous la dégagez, elle devient du rhéma. Amen. Et il dit, elle ne retourne point à moi sans effet. Dieu cause des effets. Mais nous les hommes, nous doutons de la parole. Alléluia. Nous doutons de la parole. Pendant que le diable lui-même sait que la parole, quand elle est dégagée, elle cause des effets. Sans avoir exécuté ma volonté. Est-ce c'est la volonté de Dieu que vous puissiez prendre possession de la ville? Oui, c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Alors, comme c'est la volonté de Dieu, Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Ésaïe 46. Le méchant. Il faut tourmenter le méchant. Le méchant, c'est un être orgueilleux. Alléluia. Amen. Lorsqu'il afflige
Ça fait des années, j'ai dit au diable, tu ne verras plus jamais mes larmes. Plus jamais. S'il y aurait des larmes, ce serait des larmes de joie. Amen. Alléluia. Amen. Plus jamais. Plus jamais. Le méchant, je parle du diable, le méchant ne peut jamais devenir injuste. Jamais. Il ne changera jamais pour devenir injuste. Et il utilise des gens, des hommes comme nous, pour accomplir ses desseins. Dieu utilise sa parole, lui, il utilise ses agents pour accomplir ses desseins. Il y a des églises qui sont couvertes par des nuages noirs. Les gens cherchent l'église, ils cherchent où prier, mais ils passent là, ils ne voient pas. J'avais un coiffeur chez nous là-bas. Je connais bien son salon de coiffure. Mais chaque fois quand j'y vais, je ne retrouve pas le salon. Il doit sortir pour me chercher. Il me dit, tu vois? Oui, je vois. La prochaine fois quand je vais, je ne vois pas le salon. Ça s'est fait comme ça plus de 5 fois. Et je lui dis, mais pourquoi à chaque fois quand je viens, je ne trouve pas le salon? Il vient ici, il me dit la même chose. Alléluia. Amen. Histoire vraie. Il me dit, tout le monde qui vient ici me dit la même chose. Je dois sortir pour aller les chercher. Je dis, ah, tu as un problème spirituel. Cet endroit est caché. C'est un endroit facile à retrouver, mais spirituellement, c'est caché. Plusieurs églises sont comme ça. Plusieurs grâces sont comme ça. Sont couvertes. L'ennemi a placé des nuages noirs tout autour. Alléluia. L'ennemi est méchant. L'ennemi est méchant. Nous allons parler aux méchants aujourd'hui. Nous allons lui demander de dégager. Et je vous assure, je vois une explosion ici. Je vois une explosion. Explosion de ministère. Alléluia. Proverbe 11:21 dit, even though they gather forces, the wicked shall not go unpunished. Même si les méchants s'assemblent, ils ne resteront pas impunis. Je crois aussi Proverbe 5:14 dit la même chose. Même si ils se mettent ensemble, ils ne resteront pas impunis. Alléluia. Psaume 32:10 dit la même chose. Many sorrows are to the wicked. Alléluia. Les méchants ne seront que affligés. Il n'y a pas de paix pour les méchants. Esaïe 57:21. Il n'y a pas de paix, il n'y a pas de paix pour eux. Vous voyez? C'est à nous de les tourmenter. C'est à nous de les tourmenter. Si on ne fait rien, ils vont nous tourmenter. Levez-vous, nous allons prier. C'est avec la parole.
Nous allons parler aux méchants. Nous allons parler à l'homme fort. Ce que nous allons d'abord faire, c'est le lier, entrer en esprit. Nous allons entrer en esprit dans son territoire. Physiquement, nous sommes là. Mais en esprit, maintenant, nous allons entrer. Comment nous entrons? Avec nos paroles. Pendant que tu pries pour l'église, ne t'en fais pas, le Saint-Esprit aussi en train de régler tes problèmes. Le Saint-Esprit aussi sera en train de régler tes propres problèmes. Parce que j'entends jumeaux, cri des jumeaux. Ah, vous voyez, il y a plusieurs personnes qui ont demandé des jumeaux à Dieu. Votre temps est arrivé. J'ai reçu ta parole. Ta parole, elle est la vie. Ta parole, elle est la vie. Elle est une épée de l'esprit. Elle est une épée de l'esprit. Ta parole, c'est ta puissance. Ta parole, c'est ta l'homme fort. À l'homme fort. De cet endroit. De cet endroit. Je m'adresse. À l'homme fort. À l'homme fort. À l'homme fort. À l'homme fort. Qui est assis sur le trône. Je te commande. Je te commande. Au nom de Jésus. Maintenant, pendant que je commence à prier, je commence à te ligoter. Pendant que tu es en train de ligoter, l'homme fort de ta vie aussi est en train d'être ligoté. Je te ligote au nom de Jésus. L'homme fort de cet endroit, je te ligote au nom de Jésus. Jésus, ni sur les familles, ici à Bordeaux, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je te commande de rester dans les lieux arides. Dis au nom de Jésus, au nom de Jésus. Toute influence satanique. Toute influence satanique. Couverture diabolique sur ma vie, sur mon âme, ligote ça. Je ligote toute influence satanique, ténébreuse sur mon âme, sur cette église, au nom de Jésus. Va-t'en! 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 Dans les lieux arides, au nom de Jésus. Tu perds ton influence sur cette église. Tu perds ton influence sur mon âme, sur mes finances. Tu perds ton influence au nom de Jésus. A établi dans
dans cette église comme un visionnaire. Me dit de vous dire qui sera avec vous. Je vois beaucoup de fils naître. Et je les vois vous apporter des cadeaux. Et l'Éternel me dit, c'est ce qui va exactement se passer. Il y aura explosion ministérielle. Il y aura expansion ministérielle. Le Dieu de gloire me dit de vous dire, Ésaïe chapitre 60, verset 1. Arise and shine, for your light has come. Amen. And the glory of the Lord is risen upon you. I receive it. Il dit, c'est exactement ce qui va se passer. Amen. I receive it. Gentiles shall come to your light. Les gens verront la lumière, cette lumière de loin. Et ils viendront de partout. Que lui-même sera la muraille de feu tout autour de vous. Il fait de vous une pierre. Une grosse pierre. Tout celui sur qui vous allez tomber sera écrasé. Amen. Et tout celui qui tombera sur vous sera détruit. Amen. Je vous bénis au nom de Jésus. Que la main de l'Éternel ne quitte jamais vos vies. Que la gloire de Dieu s'accroisse dans vos vies. Je suis venu vous communiquer la vie ministérielle. Je suis venu vous communiquer cette vie ministérielle au nom de Jésus-Christ. Vers l'avant, réussissez au nom de Jésus. Que le Dieu de gloire, le Dieu qui m'a ouvert les yeux, le Dieu qui a ouvert mes oreilles, qui vous ouvre les yeux, qui vous ouvre les oreilles, au nom de Jésus. L'homme fort de ce lieu et l'homme fort de Bordeaux n'aura plus d'influence sur vous, ni sur cette église. Levez-vous. Et cela. Le Seigneur me dit de vous. Tu vas commencer à tout voir dans des rêves. Et tes rêves seront accurés. Comment on dit accurés en précis? Précis. Les rêves seront précis. Et le Seigneur dit, il te donne cette grâce pour compléter la grâce que ton mari.
avec lui, ça ira dans une autre dimension. Mais avec toi, ça va rester dans... Continue à rester fidèle. Attends. En français, on dit plus un arbre monte, plus il attrape le vent. C'est-à-dire l'élévation vient avec des problèmes. Plus tu es élevé, il y a plus de problèmes qui arrivent. Beaucoup de personnes se sont mariées et aujourd'hui, sur 10 personnes, je crois au moins 7, si on leur pose la question, ils vont dire qu'ils aimeraient refaire s'il y aurait une possibilité. C'est-à-dire qu'ils ont compris qu'ils ont commis des erreurs. Mais ça, ce n'est pas une erreur. Tu as une femme que Dieu avait vraiment choisie pour toi. Et c'est une grâce. Aime-la de tout ton cœur. Soutiens-la. Parce qu'elle est là, elle restera toujours à tes côtés. Et je vois en elle le feu de la prière, de l'intercession. Tu as dit qu'elle est la première toujours à s'aimer. Mais qu'elle soit aussi la première à prier pour toi. Amen. Prends cette charge. Prends cette charge. Vous verrez ce que le Seigneur va faire. Amen. Amen. Enfants. Comme un père bénit ses fils, Éternel, toutes les paroles qui sont sorties de ma bouche, que ça prenne effet à partir de maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soudez-les ensemble. Que l'ennemi n'ait pas d'accès dans leur vie, ni dans cette église. Donne-leur des serviteurs qui leur seront fidèles au nom de Jésus. Et que chaque fois que les ténèbres viendront, qu'elles soient exposées au nom de Jésus. Et que les ténèbres n'aient aucun impact. Faites l'œuvre de Dieu avec la vitesse du vent. Amen. Je bénis l'œuvre de vos mains. Je bénis vos finances. Amen. Je bénis tout ce que vous êtes en train de faire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Recevez vos jumeaux. Père céleste, ouvre les cieux. Fais descendre les jumeaux. Tu m'as envoyé pour activer cela. Dans le nom de Jésus. Reçois tes jumeaux au 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 nom de Jésus. J'entends Lisette, 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 Lisette. Attends. Ou quand on va à l'hôpital, un exemple simple. Quand on va à l'hôpital, nous ne sommes pas pressés de rentrer. Pourquoi? Si le médecin ne nous a pas touchés, il ne nous a pas consultés, on n'est pas pressé de rentrer. Alléluia. Aujourd'hui, c'est une fête. Parce que 11 ans de combat, 11 ans. De servir Dieu, je dirais 11 ans, parce que ça va faire 13 ans de ministère, 13 ans que je sers le Seigneur comme pasteur, donc 13 ans de ma jeunesse. Vous voyez, ton jeu enlève maintenant 13 ans. Je ressemble à qui? Vous voyez? De ne pas se bourrer,
de ne pas chercher des copines, des maîtresses, si ce n'est pas par la grâce de Dieu, bien-aimé, tu ne peux pas. Et 13 ans avec une seule femme, c'est une grâce de Dieu. Alléluia. Donc si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour rendre grâce à Dieu. Celui qui t'a fait du bien, tout ce que tu peux lui donner, c'est ta gratitude. Parce que or et argent appartient à Dieu. Tout appartient à Dieu. Il n'y a rien de ce que nous avons que nous n'avons pas reçu de Dieu. Alors ce que nous on peut donner à Dieu, c'est nos acclamations, c'est nos adorations, nos louanges. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc nous avançons. Merci Gadi pour la parole. Merci. La personne qui vient de prêcher, c'est mon père spirituel. Amen. Il vient de Londres. Il s'est déplacé que pour toi. Et nous avançons. Je disais merci tout au début à tous ceux qui étaient là avant. Mais je pense qu'à la fin encore, je veux finir avec ceux qui sont arrivés un peu en retard. Donc comme vous le savez, chaque année ici dans Sion, depuis qu'on a commencé les ministères, il y a toujours des mariages. Il y a des mariages. Et bizarrement aussi dans ces mariages, il n'y a pas de divorce. Est-ce que tous les couples mariés qui se sont mariés ici peuvent se lever? Ceux qui sont là présents. Levez-vous. On va acclamer les seigneurs pour vos vies. Levez-vous. Non. Je sens des timides. Mariés ici dans cette église. Donc l'onction du mariage coule ici. Donc si tu n'es pas encore marié, est-ce qu'il y a des célibataires ici? Célibataire, lève ta main. Il y a quelque chose qui va se passer. Il y a l'onction qui parle ici. Lève ta main. Le marié, vous pouvez vous asseoir. On acclame les seigneurs pour eux. Célibataire, lève ta main. Il y a des célibataires honteux qui ne veulent pas lever les mains. Tu sais pas, peut-être en levant la main, il y a une soeur à côté qui va voir. Ou le frère qui va voir. Lève ta main. Célibataire, tu es marié. Tu n'es pas encore marié. Célibataire, lève ta main. Bon, ceux qui ont levé la main, recevez la grâce du mariage. Au nom de et à cause de la parole de leur témoignage, ce que tu dis, ce que tu déclares et ce que tu vivras. Amen. Il y a un dernier bébé qui vient de se marier ici, dans ce mois-ci, qui est l'un des fils que je voudrais présenter aussi. Frère Vicky, lève-toi. Est-ce que tu peux venir? On acclame le Seigneur pour sa vie. Il vient de se marier. De faire son mariage coutumier le 29 qui vient de passer. Hein? Donc quand tu es papa qui a beaucoup d'enfants, tu peux oublier même les dates d'anniversaire. De là où tu es, je vais juste te demander de lever ta main, de prier pour lui. Alléluia. C'est quelque chose qu'il a commencé avec Dieu. Prions et déclarons des paroles que ce que Dieu a commencé avec lui et qu'il puisse le finir. Alléluia. Sa femme s'appelle Anne. Alléluia. Prions pour eux et déclarons des paroles prophétiques dans le nom puissant de Jésus. Prions ici présent pour ton fils ainsi que sa femme, son épouse. Père, tu as commencé quelque chose. Et notre prière est que ce que tu as commencé, tu puisses le finir. In the name of Jesus. Tu ne commences jamais quelque chose sans le finir parce que tu es l'alpha et l'oméga. Et sois l'alpha et l'oméga de ce foyer, de cette famille que tu as fondée. Et nous prions que tu restes le fondement, la base de ce couple et de cette famille. Sois la troisième corde en toutes choses. C'est ainsi au nom de Jésus-Christ, nous le bénissons et nous prions, nous disons amen. Amen. Félicitations encore une fois et acclamons Jésus pour sa vie. Alléluia. Aujourd'hui, parce que Dieu ne nous donne pas seulement des mariages ici, il nous donne aussi des enfants. Et dans tous ces couples qui se sont mariés ici, ceux qui sont restés à l'église et ceux qui sont partis de l'église, il y a au moins 20 bébés qui sont nés. C'est une bénédiction. Alléluia. 20 bébés. Voilà pourquoi les pères appelaient tout à l'heure disant que qui veut avoir des jumeaux? Si tu as cru, Dieu a béni avec un bébé qui s'appelle Naira Kabwiko. Alléluia. Donc l'église
si on peut s'élever pour recevoir cette nouvelle sœur que Dieu nous a donnée. Des amis, des proches, la famille et toute l'église, levons-nous, nous voulons recevoir cette sœur. Le premier jour qu'on était parti visiter, on sait que c'est ta fille. Nous allons prier pour la sœur Laïra. Nous étant chrétiens évangéliques, on ne baptise pas des enfants. Nous ne baptisons pas des enfants. Pourquoi? Bibliquement parlant, c'est une personne mature, grand, qui accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et c'est cette personne-là qu'on prend pour plonger dans les eaux de baptême. Parce qu'un bébé est inconscient de ce qui se passe. Voilà pourquoi vous verrez des personnes qui sont baptisées deux fois. Or, on n'est pas censé être baptisé deux fois. Amen. Donc, ce que nous faisons ici, nous consacrons les enfants à Dieu, afin que Dieu puisse le protéger durant toute leur croissance. Et quand ils seront matures, conscients de cette vie, ils feront leur choix de servir Dieu, de suivre Jésus, c'est alors là qu'on pourrait le baptiser. Amen. Amen. Et donc tu es, on fait la même chose comme on a fait pour le frère Vicky. Tu vas prier pour notre sœur Naira, comme si tu priais pour ton propre enfant. Déclare des choses que tu voudras voir en sagesse, comme grandissait le petit enfant Jésus, qu'elle grandisse en carrure et en sagesse, que tout ce qui est de bagage, que tout enfant peut hériter de ses parents, je l'arrête au nom puissant de Jésus. Je bénis la vie de cet enfant, ses études, sa santé, qu'elle soit un enfant qui fera la gloire de son père et la fierté de sa mère. Au nom de Jésus, qu'elle fasse la différence dans la famille. Après elle, tous les enfants qui naîtront dans cette famille, qu'elle soit celle qui va ouvrir le port. Elle fera la différence. Partout, elle fera le plan de ses pieds, que ce lieu lui soit donné. C'est ainsi au nom de Jésus. Nous prions aussi pour les parents, Père, que tu bénisses les parents, que tu leur donnes la sagesse. Parle du Seigneur, qu'il pourvoie dans toutes choses, dans la vie et dans l'éducation de cet enfant. C'est ainsi au nom de Jésus-Christ, que notre Saint-Seigneur et Sauveur, que nous lions et nous arrêtons tout plan de l'ennemi et de ses agents au nom de Jésus. Et nous vous déclarons béni, fort, redoutable, puissant et régnez dans cette vie. Soyez des images, des exemples pour plusieurs au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Nous acclamons le Père, le Fils. Les diamants de son papa. Le papa, il est là tout le temps en train de faire des TikTok, des Snapchat. It's a blessing time. Hallelujah. On ne vient pas le main vide dans la maison du Seigneur.
Et ce que j'ai compris chez le francophone, on n'aime pas, on aime tout dans l'église. On aime la prière, tout ce qu'il faut, mais quand c'est le temps de donner, c'est là où on commence à murmurer. Mais je sais que l'homme aura récolté ce qu'il a semé. Alléluia, on ne récolte que ce qu'on a semé. Nous allons apporter tout ce que nous avons prévu depuis la maison pour donner au Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'élever? On est fatigué? Est-ce qu'on est fatigué? Est-ce qu'on est fatigué? Non, alléluia. Je vais appeler la sœur Christelle parce que... Sœur Christelle. La sœur Christelle est l'une des filles de l'église. Amen. C'est l'une des filles de l'église. Il y en a beaucoup ici, je vois vos visages. Les anciens de l'église qui étaient là avant, que le Seigneur a appelé à autre chose. Mais vous serez toujours le bienvenu dans cette maison. Alléluia. Donc c'est le temps de donner. Et j'aimerais dire à l'église, à toutes personnes qui sont là, ici on a des paniers pour les offrandes, mais on a aussi, comment on appelle cette machine là, on a une machine ici pour payer ton offrande au, à par carte. On va ramener. Ok, donc on va commencer par se ranger ici. On va finir par se ranger. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Avancez, 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 av
each and every one that, Lord, oh God, they have remembered you, Lord, oh God, to give you an offering, what belongs to you. Father, Lord, open the doors, open the windows, opportunities, keep them safe in your hands. Rebuke the devourer upon their finances. Pousse de loin le dévoreur de leurs finances. Father, we cover this finance. Seigneur, nous couvrons ces finances. Let it be for the advancement of your kingdom. Laisse que ça soit pour l'avancement de ton royaume. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. We pray. Nous prions. Amen. 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 Gloire à Jésus. Alléluia. Et à remercier moi et ma femme. Chérie, s'il te plaît, tu peux venir, viens là, s'il te plaît. Pareil que tu sois, tes deux jours, on n'a pas bien dormi. Je pense que j'ai besoin de ton assistance à mes côtés. Alléluia. Nous tenons à remercier tous les hommes de Dieu qui se sont déplacés pour ce jour. Si tu es pasteur, servant de Dieu, tu es là, tu es arrivé en retard, lève juste ta main, nous voulons t'honorer. Nous voulons t'honorer parce que tu es venu nous honorer. Non, il n'y a pas d'autre pasteur. Il y a le pasteur, l'apôtre Louange qui est là. Il y a là, le pasteur Olivier. C'est qui pasteur Olivier, non? Ah, pasteur Patsy et son épouse. Excusez-moi. Pasteur Patsy, merci. Maman, merci. Parce que vous déplacez nous ici. Vous avez vu un peu notre culture. Nous avons la culture anglaise. En 2010, c'est ça? Dieu nous avait enlevé ici à Bordeaux. On était parti à Londres. On est resté là-bas 2 ans et demi. On nous a appris des choses à honorer les hommes de Dieu. Voilà pourquoi vous m'avez vu en donnant les micros à mon père. Je me suis agenouillé. Je ne l'adore pas, mais je l'honore. Alléluia. Parce que l'onction que tu honores, c'est ce que tu reçois. Dieu, on ne le voit pas, mais on voit Dieu par ses serviteurs et par ses enfants. Alléluia. Merci beaucoup. Merci à votre Louange. Il a laissé toute son église juste pour venir passer le culte avec nous. Sois béni. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci encore, évangéliste Prince, évangéliste François. Merci, papa. Un homme de beaucoup de responsabilités, mais il s'est déplacé pour nous. Et tous les enfants de Sion, tu vois madame Bendy, Patricia, alléluia, oui, le frère Michel, le frère Fernand et son épouse, alléluia. Donc des noms que sont en train de citer, ce sont des anciennes personnes de l'église. Il y a le frère Job. Il y a aussi le frère Job et sa femme, et toute sa famille se sont déplacés de Paris. Alléluia. Alléluia, sois béni. Alléluia. Et merci à vous tous, les enfants de Sion, qui sont toujours là, jour et nuit, au four. Amis et soutien de Bordeaux, vous tous, connaissances. Alléluia. Vous êtes déplacés, il y en a plusieurs, je vois vos têtes, les gens qui m'ont vu arriver ici, dans Bordeaux, quand je n'avais pas encore même un bon pantalon. Même une belle chemise. Voyons la sœur Dorothée. Alléluia. Le frère Stido, le frère Michel. Le frère Richard. Dieu vous bénisse. Doudou. Vous vous êtes déplacés. Mon ami Senga. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Si je n'ai pas cité votre nom, mais sachez que je vous vois tous. Alléluia. Je sais que celui qui vous a déplacé, c'est votre ami. Mais sachez que vous voyez son apparence, mais dans l'église, il est l'un des grands évangélistes. Le frère Guillard qui vient de présenter son bébé. C'est un coiffeur. Mais il amène des gens à l'église. C'est lui qui évangélise plus que même moi-même le pasteur dans l'église. Amen. Oh, tu ne m'as pas entendu. Amen. Je sortais dans les rues, j'allais donner des flyers. Ben, ça fait un bon moment, je ne sors plus. Mais là, le frère, lui, là où il est, là, quand il tchac, il invite, frère, l'église, c'est ce que
On a commencé à enseigner les dimanches derniers à Nakazo. On a des amis, on peut les inviter dans nos fêtes, mais on ne les invite pas à l'église. S'ils meurent aujourd'hui, Dieu va te demander, dira, mais cet ami-là, il était à tes côtés. Regarde là où il est parti. Or, tu avais la langue facile pour le parler de moi. Alléluia. Nous vivons ici. Aujourd'hui nous appartient, mais demain ne nous appartient pas. Si je meurs aujourd'hui, quel sera mon lendemain? Où est-ce que je veux passer mon éternité? Et l'éternité se prépare aujourd'hui et maintenant. Et je suis heureux de vous voir tous, mes amis de Bordeaux. Que nous ne nous voyons pas seulement dehors, mais passons aussi du temps ici, ensemble. Pour que l'éternité, un jour quand nous allons nous retrouver là-bas au ciel, on puisse se dire, you got it. You got it. Tu l'as fait. Parce que ce passage ici-bas, c'est un combat qui n'est pas facile. Servir Dieu, commencer avec foi et finir dans la foi, c'est pas facile. Ce que j'aime bien avec cette parole, Dieu dit, dans sa parole, il dit, cette fois le juste tombera et cette fois il se lèvera. Cette fois tu vas tomber. Même si tu es tombé, bien-aimé, ne laisse pas les gens te piétiner. Lève-toi, secoue la poussière, continue parce que la couronne est devant. Alléluia. Oui, ce sont de faibles qui restent par terre, mais ceux qui s'élèvent, même avec des blessures, qui continuent, ce sont ceux-là de forts. Alléluia. Ma chérie, tu as quelque chose à dire, un mot? Je n'ai rien à dire si ce n'est que bénir le nom du Seigneur. Amen. C'est déjà un grand plaisir de se rassembler avec vous tous ici. Alléluia. Je crois que Dieu connaissait ce jour. Continuons toujours de servir Dieu. Alléluia. Il est le Dieu qui connaît nos perfections et nos imperfections. Faisons-lui confiance. Et nous vous aimons dans l'amour du Seigneur. Donc nous sommes arrivés à la fin. On a quelque chose à partager, à manger. N'allez pas vite. Il y a le frère Vicky, le marié, qui a donné quelque chose pour qu'on puisse partager ensemble. Il y a le couple aussi, ainsi que l'église. Nous avons partagé, nous avons préparé quelque chose enfin de partager, de festoyer pour la présentation des Naira et aussi le mariage de notre frère Vicky. Amen. Sachez que nous sommes là tous les dimanches à partir de 10h30, donc de 10h30 à 13h. Si vous n'avez pas d'église, vous savez, la place où vous êtes assise vous appartient. Amen, amen. Tu ne m'as pas entendu. Et la place où tu es assis t'appartient. Et nous vous souhaitons tous le bienvenu. Et chaque vendredi, à partir du mois prochain, nous allons nous retrouver ici pour les enseignements. Et le mercredi, nous sommes en ligne pour la prière d'intercession. Si tu n'as pas d'église, sois pas timide. À la fin, Sœur Cathy, tu peux lever ta main. Voyez la sœur qui est là. Viens, viens, viens. Voyez la sœur Cathy. À la fin, donnez votre numéro. Elle va vous enregistrer sur le groupe de l'église. Si vous voyez votre téléphone sonner chaque matin à 6h, ça veut dire que c'est son téléphone, le téléphone de l'église qui a lancé l'appel pour la prière. Et le mercredi, chaque mercredi, à partir de 20h, nous prions ensemble. Et pareil, le vendredi pour l'enseignement. Sœur Cathy, elle est célibataire. D'accord? Ok. Acclamez les seigneurs pour ça. J'ai pas mangé des gueules. T'as dit papa. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous sommes arrivés à la fin. Il n'y a plus autre chose. Il nous reste qu'à manger. Je vais appeler l'évangéliste Prince Kuka, qui va avancer pour prier. Pour les seigneurs pour sa vie, pendant qu'il s'approche. C'est un jour de gloire. La Bible dit que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Alléluia. Est-ce que quelqu'un ce soir puisse croire que cette gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première? À partir d'aujourd'hui, j'ose croire que les fidèles de l'église Sion vont rentrer dans une saison de gloire. Là où les choses qui étaient décrétées impossibles deviendront possibles. Alléluia. Tu vas rentrer dans une saison de la possibilité. Nous
nous avons vu ce soir la puissance de la parole. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, ta vie peut changer simplement par une simple déclaration. Voilà pourquoi je connaissais une dame. Alléluia. Elle a subi pendant 12 ans de la perte de sang. Elle a tout dépensé ce qu'elle avait. Mais elle a eu entendu parler de Jésus. Comme ce soir, tu as entendu, sa vie n'a pas plus jamais été la même. Alléluia. Vous connaissez Pierre qui a pêché toute une nuit sans pour autant attraper un seul poisson. Mais il va dire à Jésus que sur ta parole, je jetterai le filet. Alléluia. Et il a vécu une pêche miraculeuse. Alors ce soir, nous allons rentrer dans cette saison de la possibilité. Nous allons élever simplement nos deux mains vers le ciel. Alléluia. Voilà pourquoi ferme tes yeux là où est. Tu peux tenir les mains de la personne qui est à côté de toi, de gauche et à droite. Nous allons faire comme Josué et comme Moïse a fait. Alléluia. Moïse qui se tenait sur la montagne. Alléluia. Et il avait les mains levées. La Bible déclare que Israël était le plus fort. Parce que Josué était au combat contre les Amalécites. Mais lorsque les mains de Moïse étaient fatiguées, la Bible déclare que l'ennemi était le plus fort. Mais comme notre bishop vient de nous dire que nous devons ligoter le diable, nous devons le détrôner, donc nous ne devons pas à partir d'aujourd'hui pas laisser l'accès à l'ennemi de nous détruire. Mais c'est nous que nous allons prendre la possession de pouvoir récupérer ce qui nous est dû. Nous allons restituer ce que le diable a volé. Alléluia. Voilà pourquoi Aaron et Hur, ils avaient compris cela. Ils ont placé une pierre. Ils ont fait asseoir Moïse. Ils ont tenu la main de Moïse, un d'un côté et l'autre de l'autre. La Bible déclare que les mains de Moïse restaient fermes et levées. Et Josué a remporté la victoire. Alléluia. Devant la Malécite. Donc nous allons soutenir cette assemblée. Toi qui es venu en ce lieu, tu dois soutenir cette église. Cette église Sion. Nous allons le soutenir. Afin que l'ennemi ne puisse pas prendre le dessus dans cette église. Nous allons régner dans cet endroit. Nous allons occuper ce territoire. Et nous allons le dominer. Nous allons l'assujettir. Nous allons le posséder. Nous allons récupérer ce que l'ennemi a volé. Comme la Bible me dit dans le livre de Jean 10:10, que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais Jésus-Christ est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Nous allons implorer l'abondance de Dieu dans cette assemblée. Afin que rien ne manque, nous allons retrouver nos finances. Nous allons retrouver nos mariages. Nous allons retrouver nos travails. Nous allons dominer, régner et gouverner dans ce pays. Parce que l'autorité nous est donnée. Alors élève ta voix, prions le Seigneur pour prendre le contrôle de cette nation, de cette ville, avec nos mains élevées vers le ciel. Gloire à Jésus. Seigneur notre Dieu, je voudrais te rendre grâce. Tu as dit que lorsque tu envoies ta parole ne retourne jamais à toi sans avoir accompli ta volonté. Voilà pourquoi ce soir nous avons écouté ta parole. Car tu as dit quand tu envoies ta parole court avec vitesse dans le but de pouvoir se réaliser. Seigneur, merci pour la restitution de nos avoirs. Merci pour l'avoir récupéré tout ce que l'ennemi nous a volé. L'ennemi nous avait volé la paix, la joie, le bonheur, la santé, la victoire et les solutions. Mais ce soir, au travers de la récupération de ta parole, nous allons rentrer dans le camp de l'ennemi. Nous allons le ligoter et nous allons le faire à toi. Comme David a dit à Goliath, que toi tu combattas avec moi, contre moi, par le lance et le javelot. Moi je viendrai contre toi au nom de l'Éternel des armées. Seigneur, en ton nom, nous élevons en ce lieu pour pouvoir prendre la possession de cette nation. Car tu as dit, tout pays qui foulera la peau de votre, je vous le donne en possession. Nous avons possédé ce pays. Nous avons possédé cette ville. Nous avons possédé cette nation. Parce que tu nous as donné les clés, ô Dieu. Tu as dit que je vous ai donné, je vous donnerai les clés du royaume. Ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Père éternel, voilà pourquoi lorsque tu ouvres, personne ne peut fermer. Et quand tu fermes, personne ne peut ouvrir.
À partir d'aujourd'hui, Seigneur, ouvre les églises du ciel afin de pouvoir déverser ta bénédiction en abondance dans cette assemblée et dans la vie, Seigneur, de gloire de ses enfants. Et toutes, Seigneur, au Dieu de gloire, les extensions de cette église. Nous voulons vivre, Seigneur, une saison de distinction, une saison de différence, une saison de grâce et de faveur. Tu as dit que je multiplierai mes faveurs à vous et à vos enfants, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Finis la confusion, parce que nous voulons expérimenter la gloire de la seconde maison. Seigneur, merci pour ce peuple. Merci, Seigneur, pour cette nation. Merci pour cette ville. Merci, Seigneur, Dieu de gloire, pour nos familles. Tu nous as donné, Seigneur, la victoire. Tu nous as donné, Seigneur, de gloire, l'abondance. Voilà pourquoi nous croyons. Nous croyons à ta victoire. Voilà la Bible déclare que, Père éternel, que le tombeau est vide. Comme le tombeau est vide, cela veut dire que tu es ressuscité. Comme tu es ressuscité, cela veut dire que tu es vivant. Comme tu es vivant, cela veut dire que tu es Emmanuel parmi nous. Voilà pourquoi ensemble avec ton peuple, nous acclamons le ressuscité du troisième jour. Celui qui est assis encore sur son trône. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Sois béni. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bon appétit. Et bon dimanche. Dimonene, Zambia.